Salut. 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 Joyeux anniversaire. Pour tes 22 ans, et afin de sortir de notre gueuserie habituelle, on a décidé de se donner pour faire un beau cadeau. Alors j'ai pris ma caméra, et on a fait un film. Alors on s'est tous concertés et on s'est dit, un film, d'accord, mais sur quoi? Alors en fait on sait très bien que t'as beaucoup d'acteurs fétiches comme Al Pacino, Robert De Niro, Brad Pitt, Daniel Balavoine... Tom Cruise, ouais. Mais bon, finalement on s'est dit que en fait, ces individus ils étaient un petit peu piteux en comparaison de celui que t'admirais véritablement. À savoir... Christophe Lambert. Mais arrivé là, une question fondamentale se posait. Il fallait se référer au maître. Allait-il nous donner sa bénédiction? Je suis fier d'accepter. Merci Christophe. En même temps, on n'avait pas trop de pression, parce que vu le niveau de ses films, on aurait pu difficilement faire moins bien. Train de plaisanterie et place au spectacle. Tu vas voir, là c'est vraiment le moment. Ouais. Voilà ce que je suis. Je ne suis pas qui que ce soit. Mais comment ça se fait que vous fassiez un truc sur Christophe Lambert? C'était plus que légitime. On a besoin d'un autre. Il tombe toujours ou pas? Vous voyez la technique, hein? C'est la vérité. Je ne prétends rien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu voudrais quand même pas que je gâche la surprise. Tu es toujours en train d'essayer d'échapper à ta destinée. Je pense que nous avons tous une mission. La vengeance. C'est beaucoup plus simple. D'après ce que j'ai vu, c'est pas ton genre. Et de quelle façon? Tu sais de quoi je parle, je crois. Et pourquoi pas toi? J'ai pas vraiment le choix. Meurs, ouais. Tu vas pas me dire que t'as peur? La peur, c'est tout ce que je connais. Je sais. Inutile d'être le meilleur à longueur de temps. Il faut juste l'être au bon moment. Mais nous n'avons personne d'autre. C'est ta magie qui m'a amené jusqu'ici. Ça va un peu loin, là. Ça, c'est une belle farce, mais c'est pas grave. Qui? Je me suis engueulé avec. C'est un ridicule. Christophe Lambert, c'est un Amérique maintenant qui reste là-bas. J'ai plus rien à faire ici. Christophe Lambert? Ouais. Ah, il nous a fait quelques beaux navets, à mon avis. Bien plus d'une fois. Il est pas terrible comme acteur. Un peu naze, quoi. Il est un peu mort, là, non? Ça m'étonnerait. Je connais pas. C'est qui, Lambert, dis-moi? C'est un ridicule. Je sais. Il est sympa. Il joue bien ses rôles. Merci. J'aime beaucoup. Vous aimez beaucoup? Ouais, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu, ouais. Tu ne dois pas m'aimer. C'était le Playboy, alors ça va, moi j'aime bien. Il a beaucoup de charme. C'est le personnage en lui-même qui est très mystérieux et que j'aime beaucoup. Ça s'explique pas, quoi. Il y a un truc qui se passe chez lui, quoi. C'est dommage parce qu'il pourrait faire des choses vraiment sympas, quoi. Le personnage en lui-même est très mystérieux et j'aime beaucoup ça. En tant qu'acteur, il est pas mauvais, il est loin d'être mauvais. Le personnage, j'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est dommage, c'est pas terrible. J'aime beaucoup le personnage. Il fait pas grand chose d'extraordinaire. Ouais. Je suis convaincu que ce mec-là peut faire des trucs vraiment géniaux. Bien. Il y en a enfin un qui a compris. Parce que les gens pensent rien. L'indifférence, c'est sans commentaire. Quoi. C'est Christophe Lambert. Personnage Intorix, en société, là, carrément la catastrophe. Hein. On est bien d'accord. Le rien. Le quoi? Il n'y a pas grand chose à dire sur ce monsieur. Non, mais c'est quand même un bon acteur. Simplement, je trouve qu'il est peut-être. Enfin, il fait des mauvais choix, il est peut-être mal conseillé. Je parle de ma génération. Hein. D'accord. J'ai 83 ans, je ne m'occupe pas tellement des jeunes chanteurs. Je ne suis pas du tout ce que tu crois. Ah, ouais, vous ne connaissez pas Christophe Lambert? Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'elle a comme protection? Elle a une carapace. Christophe Lambert, madame. S'il vous plaît. C'est un assez bon mec, il est pas mal. Christophe Lambert, j'aime bien quand il est dans
Greystock, j'aime bien quand il urine sur l'autre singe. Pardon. Moi je le trouve super bon. Il est comme Van Damme. Je ne veux pas qu'il y en ait d'autres comme moi. Il a fait un séjour en Amérique, il parle plus français maintenant. Il faut quand même réfléchir un peu. Ses défauts, je dirais au niveau écran, c'est qu'il louche. Au niveau personnage, il incarne assez bien son rôle quand il est acteur. Quoi. Tu fais erreur sur la personne. Christophe Lambert, c'est quoi? C'est un ridicule. Qui a fait quoi? Il a fait quoi? Personnage de Terror X, Greystock. Highlander. Subway, puis c'est tout. Il y en a encore un. Beowulf. Quelque chose comme ça, oui. What is this Beowulf? J'ai pas le temps de l'expliquer. Ça peut s'avérer tellement dangereux. C'est tout ce que je peux dire. Ok. Beowulf, ouais, effectivement. Ouais. Ouais. Assez spécial comme film, ouais. Beowulf, j'ai pas vu, j'ai un peu lâché. Les répliques et puis, le scénario, c'est rarement très évolué. Beowulf? Ouais, par exemple, ouais. What do you want? Je m'appelle Beowulf. Quelle drôle d'idée. Et j'ai besoin de me reposer et de me restaurer. Pas comprenez-moi. Beowulf. 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 So be bad. Ah, d'accord. Ça vous fait rire. Attention, pas d'erreur. C'est important. Ça fait longtemps que je t'attendais. Ça fait longtemps que je t'attendais. L'un de nous deux sera la mort de l'autre. L'un de nous deux sera la mort de l'autre. Je suis comme toi. Je suis comme toi. Moi aussi, je fais partie des damnés. Moi aussi, je suis parti à Dané. Ah. Moi aussi, je suis parti à Dané. Moi aussi, je fais partie d'Anne. Moi aussi, je fais partie des damnés. Ça vous plaît? Brillant. Absolument brillant. Je m'appelle Beowulf. Bon anniversaire, petite aiguille.